J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlogmas. Ah, cette phrase est de plus en plus difficile à dire. Donc aujourd'hui là il est 11h16, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Il y a ma soeur qui m'a réveillée, elle m'a fait ouais au final je peux venir et tout, chercher les colis etc. Je me dis ah, je peux donner au boulot aussi, je fais ah oui c'est bien aussi ça. Aujourd'hui j'ai boulot, je dois aller travailler, le problème c'est que j'avais des métros à partir de 13h donc ça allait. Mais ça va être demain ça va être une catastrophe. Donc bref, voilà pour ça. Donc j'en suis en train de prendre mon petit déjeuner, j'ai en train de me faire des petites tartines avec les confitures que j'ai eues dans le calendrier d'avant, bonne maman. Et vraiment elles sont super bonnes, franchement. Donc là mes cheveux c'est une catastrophe comme d'habitude. Mais je vais essayer de leur donner forme aujourd'hui vu que je vais travailler, il faut que je sois un peu rentable. Donc je vais essayer de me les boucler. On va voir ce que ça donne. Si je ressemble à rien du tout, bah écoutez, c'est pas grave. Mais il faut que je vois ce que ça donne. Bon et bien je vais me boucler les cheveux, donc là j'attends que ça refroidisse, après je les enlèverai avec mes doigts. Bon, je vais tester, vous savez, le mascara que j'ai ouvert hier dans le calendrier de l'avant. Je vais me maquiller, je vais vous montrer tout ça juste après. Voilà pour mes cheveux, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est beaucoup mieux les cheveux bouclés que les cheveux lisses. Je trouve que comme ça font mieux mes couleurs naturelles et ma couleur blanche. Donc je trouve ça plutôt joli, j'espère que ça va bien tenir. Mais je trouve ça trop mignon, vous en pensez quoi? Ça change, hein, c'est mieux. Après, faut pas le faire tous les jours hein, parce que ça va niquer mes cheveux. Mais pour Noël, au moins, j'aurai cette tête-là. Enfin, tu sais, je stressais pour Noël pour avoir une tête dégueulasse, tu vois, pour les photos. Mais là, je suis contente. J'aime bien l'effet un peu bouclé et tout. Ça change. Et ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. Même avec une petite barrette ou je sais pas. J'aime bien. Il est actuellement 12h19. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est d'appeler le salon de coiffure pour leur demander sur quel site de médiation ils sont. Parce que je ne les ai trouvés sur aucun site. Donc je pense qu'ils ne s'en sont pas mis sur un site de médiation alors que c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2016. Ils ont l'obligation de se mettre sur un site de médiation et d'en informer les clients. Donc s'ils ne me le disent pas, je ne sais pas quoi faire. J'espère qu'ils vont répondre. La boîte vocale de votre correspondant est pleine. D'accord. La boîte vocale. Ok, d'accord. Bon, et eh bien, ils ne répondent pas. C'est génial, écoutez. Génial. Au top. Et au final, je vous ai même pas dit ce que je voulais pour Noël. Je vais essayer de vous mettre ma lettre au Père Noël. Tout d'abord, ce que j'ai commandé au Père Noël, c'était un porte-clés bubble tea. Je trouve ça vraiment trop mignon. J'ai trouvé ça sur le site de Kenty Home. J'ai beaucoup trouvé d'idées cadeaux sur Kenty Home parce que j'adore ce site. C'est vraiment super joli. J'aimerais trop avoir un magasin dans ce style-là, en fait. C'est vraiment beau. Donc un petit porte-clés bubble tea, je trouve ça assez mignon. Ensuite, j'ai trouvé des dessous de verre en quartz. Ça coûtait 14 euros. Ah, le bubble tea, c'était 7 euros. Et les dessous de verre, c'est 14 euros. Donc 4 dessous de verre en quartz. J'adore ce genre de dessous de verre. Je trouve ça trop mignon. Et j'en utilise beaucoup les dessous de verre à cause de ma table basse. Donc vraiment j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Ensuite j'ai vu la bouteille thermos personnalisable. Je trouve que c'est important d'avoir une bouteille thermos pour mettre de l'eau, pour mettre du café, du thé, etc. Moi j'utilise beaucoup ça pour aller à la fac. Et j'ai trouvé ça trop mignon. 25 euros en rose gold avec écriture noire pour mon prénom. Je trouve ça mignon. Enfin voilà, j'ai trouvé ça trop kiki. Donc j'ai demandé ça au Papa Noël. J'ai demandé une carte cadeau Ikea, c'était pour acheter mon canapé. Mais au final, mon canapé est là, donc ça ne sert strictement à rien. Ensuite, j'ai demandé une palette Tarte. Donc c'est la Tarteist Pro Remix. Elle était en promotion à ce moment-là, c'est pour ça que je l'ai demandé. Mais je pense que là, elle est plus en promotion, elle est à 35 euros. Ensuite, j'ai demandé la dynastie de Donald Duck sur Vinted. Alors, faut penser aussi à Vinted aussi. Vous êtes nombreux à me dire, voilà, tu peux trouver des idées cadeaux sur Vinted. Et c'est le cas, j'ai trouvé des petites idées cadeaux pour moi sur Vinted. Donc c'est tout ce qui est, voilà, livre de chez Donald. Dès que j'ai envoyé ma lettre au Père Noël, les dynasties ont disparu. Donc j'ai cotate, ils ont dû me le prendre je pense. J'ai dit que j'avais le 1, 2, 3, 4, 6. Donc là il y avait deux livres sur Vinted que je pouvais avoir. Ensuite j'ai demandé un coussin berbère chez Maison du Monde. C'est le coussin à 26 euros. Il est archi beau, je l'aime beaucoup trop. Et j'aurais mis des petits codes promo, genre moins 10 euros que le code projet déco 10. Je sais même pas s'il était valable. Mais il était vraiment trop trop beau ce coussin, j'aime beaucoup beaucoup. Ensuite j'ai demandé une carafe en verre, toujours chez Maison du Monde. Parce que c'est vrai qu'on a pas de carafe en verre vraiment jolie pour mettre de l'eau ou autre. C'était la gamme un peu brasserie et je trouvais ça vraiment super joli, ça coûtait 17 euros. Ensuite ce que je voulais beaucoup 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 c'est les bols en noix de coco de chez Leaves and Clouds, de la boutique de Marie Lopez. Beaucoup, il y en a un peu partout à tous les prix, mais voilà je me dis vas-y pour Marie Lopez, pour que ça puisse fonctionner sur son site, et eh bien j'ai demandé des bols en noix de coco parce que je
voulais ce genre de bol en coco et pas en bambou, je déteste tout ça. Donc voilà pour ma petite liste au Père Noël, il y a des petits trucs de déco, des petites choses comme ça, enfin j'aime beaucoup. Et j'ai demandé aussi bien évidemment pour Birdie. Donc pour Birdie j'ai demandé une boîte à croquettes en métal noir et imprimée de chez Maison du Monde. Elle est vraiment trop belle cette boîte. Donc si elle l'a pas pour Noël je l'achèterai parce que c'est vraiment hyper pratique ce genre de boîte. T'as juste à prendre le verre doseur, hop. Au lieu de prendre le paquet et essayer de pas en foutre partout, enfin tu vois. Ensuite j'ai demandé une petite gamelle. Alors ça c'était un peu cher je trouve la gamelle. 17€ avec le prénom de Birdie avec une patte. Donc chez Kenty Home toujours hein, bien évidemment. J'aimais beaucoup, soit c'était en blanc normal, soit c'était en marbre. Alors en marbre c'était un peu plus cher, c'était 23€. Avec le prénom de Birdie avec une petite patte et une écriture en cuivre. Un ticket. Voilà, et pour Bichette c'était la même chose avec les bols etc. Donc voilà pour le petit, ma petite liste au Père Noël. Un ticket. Vraiment, tu as hautement bobo d'amour. Tu es tellement chère, je peux pas te faire de bisous, tu vas être toute rouge après. Mon bobo, je t'aime fort. Donc voilà, bah écoutez, je vais essayer d'appeler mon conseil juridique pour ça, pour les problèmes. J'espère que ce n'est pas fermé. Donc je fais aujourd'hui 14h-18h, donc ça va. Mais demain, je fais 13h-19h. Donc ça va être un peu plus long. Oui, bien, je viens de rentrer. Ma coupe de cheveux n'a servi strictement à rien puisque, désolé pour le bruit, il a plu comme vache qui pisse. Mais tout le monde a trouvé que la coupe était bien, mais la couleur vraiment c'était, ça faisait bizarre mais ça m'allait bien. Donc les collègues du travail m'ont dit waouh, quel changement et tout tu vois. Donc là mon petit bouclage de ce matin ne servait strictement rien, mais au moins j'ai pu me rendre compte que j'aimais bien les cheveux bouclés. Même sur Instagram on m'avait dit que ça m'allait bien et tout, donc je suis contente, au moins il y a ça qui va. Donc là je vais me faire une petite raclette parce que monsieur a déjà mangé. Ça fait longtemps que je vous ai pas montré les calendriers de l'Avent. Ça fait quand même un bail, donc je vais le faire avec vous. Alors aujourd'hui on est le combien? On est le 21. Pour bonne maman, j'ai reçu la confiture nectarine blanche et pêche. Franchement les confitures bonne maman elles sont vraiment super bonnes. On se régale avec mon copain, on adore ça. Ensuite Sephora, on arrive bientôt à 24. Hein. Tattoo liner de chez Kat Von D je pense, non? J'ai un petit tattoo liner. Donc trop hâte de tester, je suis trop contente, je vais tester demain. Il reste plus que 3 cases, bébé. Il reste 3 cases. Ouais. Après c'est fini. C'est 21 déjà. Bah oui, c'est pour ça. Ouais. Tu sais quand je faisais les retours aujourd'hui, je marquais la date, je suis... Oh la vache, on est déjà le 21 frère. Oh ah, dans ma tête on était 18, je sais pas pourquoi. Mais ça a trop passé vite, genre au mois de décembre. Ça a trop passé vite. Ça a trop passé vite frère. Ouais. Vous aimez bien parler pas français. Voilà. Ah c'est le parfum de chez Nux. Il sent vraiment super bon. Le soir des possibles eau de parfum. Ça sent super bon. Dommage que je peux pas en mettre mais ça sent super bon. Ensuite chez Origine. Eh mais j'ai même pas ouvert la case 17. Chez Origine. Donc dans la case 17 j'ai la sérum visage formule avancée. Pour mon visage de, avec des rides. Ça peut être pas mal. Et le 21. Mais il est où le 22? Ah il est là. Ah ouais. Oh ça passe trop vite hein. J'ai eu un soin naturel pour les mains. Donc là au moins c'est un bon format pour les mains. On peut bien tester donc je suis super contente. Là j'ai quasiment fini la crème pour les mains de chez Nux. Pour vous dire à quel point j'utilise ça tellement que c'est bien. Alors chez Rituals, qu'est-ce que Pure Radiance Face Oil. Ah c'est de l'huile pour le visage. Je suis pas fan moi, des huiles pour le visage. Mais je trouve ça, c'est trop mignon. Je trouve ça assez kiki. Regardez comme c'est mignon. Une toute petite huile. Bah écoutez on va tester hein, mais je garantis rien hein. J'ai l'impression d'avoir oublié plein de choses dans le calendrier de l'avant de chez Le Fantastique. J'ai zappé le 17. Donc le 17 j'ai eu... Ah ok c'est une crème de jour plus une CC crème de ce que je comprends. De chez Emma Hardy, j'aime bien cette marque. Pour moi c'est des bons formats, je suis contente. Et donc je vais regarder pour le 21. Donc là j'ai un petit goupillon, donc c'est pour les sourcils je suppose. Et là nous avons le crayon à sourcils. Donc c'est une teinte on va dire pas universelle du tout. Mais bon on va tester sur mes sourcils, je pense que ça peut aller. Ils sont assez foncés. Donc bah voilà pour mes calendriers de l'avant. Mon cœur, je t'aime. Quoi? Je t'aime. Quoi? Non, l'autre c'est Bouchette. Et l'autre c'est Bobo Bouchette. Ouais. C'est Bobo Bouchette. Ouais. Il nous regarde, je te jure. T'as quelque chose à dire Bichette? Non? Vous êtes vraiment cons les gars. Ça serait trop sa voix ça. Bande de parents indignes. Donc là j'ai fini ma raclette, j'avais hyper faim. Et je pense que je vais vous laisser parce que j'ai encore pas mal de boulot. Je suis en train de faire la vaisselle, mettre le linge à sécher, tout le bordel, enfin vous connaissez.
Donc il y a pas mal de bordel en face de moi, donc il faut que je range tout ça. Demain, on va aller avec ma sœur faire les courses de Noël. On va essayer de choisir les ingrédients qu'il faut pour faire ce que je vous ai montré, les verrines sur l'iPad. Je vous ai montré ça, les petits dessins que j'ai fait. Faut que je regarde aussi les verrines que j'ai à la maison. J'ai plein de choses à faire et je travaille aussi demain. Donc j'espère que je pourrai un peu vous filmer aussi. J'ai mis 1h45 pour rentrer chez moi tout à l'heure. C'est grève, ça n'en finit plus. C'est vraiment vraiment chiant les grèves. Je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais c'est pas possible. Pour nous les commerçants, on se fait chier au boulot. Enfin, il y a personne qui vient. À part à certaines heures de pointe, qu'on aura des primes qui vont baisser, voire peut-être pas du tout. Donc ça c'est vraiment chiant, Pour une étudiante, une prime, je peux vous dire que ça fait du bien. Donc là, ça m'a saoulé, vraiment ça m'a saoulé. Mais bon, c'est pour la bonne cause, hein, comme ils le disent. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas là. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour un prochain Vlogmas. Bye bye.